L'une des questions que je me pose souvent, c'est de savoir qu'est-ce qui empêche les gens, toi par exemple qui écoutes cette vidéo, qu'est-ce qui t'empêche de redonner ce que tu connais à ta communauté? Les gens parlent beaucoup d'immobilier, bourse, business. Je sais que moi aussi je parle de ça. Je suis actif dans ces domaines. Mais l'une des choses les plus fondamentales, l'une des choses qui est importante, c'est de redonner aux autres, à sa communauté, à son pays, aux gens autour de soi. Qu'est-ce qui t'empêche? Si tu as compris comment l'informatique fonctionne, explique l'informatique à toute l'Afrique. Si tu as compris comment, je ne sais pas moi, comment ça fonctionne, redonne. Tu es devenu ingénieur parce que des étudiants, pardon, parce que des professeurs ont donné ce qu'ils connaissaient. Tu es devenu ce que tu es devenu parce que des gens t'ont donné. Pourquoi tu veux garder maintenant pour toi? Ça, c'est le problème de beaucoup de personnes. Pourquoi tu veux garder les choses pour toi? Tu dois redonner. Ça doit circuler. Ça ne doit pas s'arrêter chez toi. Ça doit circuler. Quand tu apprends à redonner, peu importe ton domaine, peu importe, même si tu t'es dit que tu n'as rien à redonner, on a toujours quelque chose à redonner. Ce n'est pas besoin d'être sur le plan financier, ça peut être même tes idées. Que tu partages tes idées avec les autres, c'est déjà redonné. C'est déjà redonné. Tu peux créer une entreprise, peut-être, c'est pas moi, qui a pour but d'offrir un service à je sais pas où. C'est redonner. C'est de l'énergie que tu donnes aux gens. Il faut apprendre à utiliser les compétences que tu as déjà, qui sont déjà au fond de toi, et les transformer en quelque chose que tu peux redonner. C'est ton droit. Le bon Dieu a créé l'homme pour qu'il reçoive et pour qu'il redonne. Donc apprends à redonner aux autres.